Dimbali new di dole new di bole nyapu ya male ci jamono ite membudul dal solidarite le kon jappal ma japp ñu dem xale le may de def ko yalla da so def it yow la nda mom xamul dara dara xale le may de yeurumul ma ko mom yaram le ko mom momen le ko so yene ko ta lay fay def ko yalla da mom xamul dara mon camul dal halle le mende ino nashana mo ya le mo lei fai nan budul dal halle ya pere e fai ko ya le ta mon camul dal halle le mende ino nashana mo men budul dal mo lei fai welcome my gris Non na chamo ya le mo lei fai Beku magis joy fu mu ja Mon camul dal Mon camul dal Halle le mende Ino na chana mo ya le mo lei fai Nan budul dal Halle ya pere Te pa ko ya le ta Mon camul dal Mon camul dal Thank you.
de l'édition 2014 Inon Action. Dans chaque village, vous verrez des activités manuelles que les enfants ont eu à réaliser pendant la colonie. Chaque sous-camp, comme nous étions organisés en 3 sous-camps, ici nous sommes au sous-camp de Bogusere, toujours pour exploiter le thème. Marabou, voilà. Ici nous avons des tableaux réalisés avec du sablage par les enfants eux-mêmes. En fond, nous avons des draps avec du soufflage, avec de la peinture acrylique. Là, quelques porte-clés avec toujours des perles et autres. Là, des tableaux dénommés art magique ou peinture pop avec les tout petits, les 6-7 ans, c'est-à-dire nos tchats, qui ont eu à réaliser des collages pour faire du perlage, pour faire de l'abstraction en somme. De l'autre côté, on va continuer toujours dans la panoplie des activités. Là, avec des fils, ce qu'on appelle des nappes perlées, avec toute cette panoplie de couleurs. Là, des crocodiles en perles, toujours dans la panoplie des athènes dessinées au petit. Et des activités manuelles se sont faites selon les tranches d'âge, en fonction de l'âge de l'enfant, sa dextérité, il peut réaliser telle ou telle activité. Avec les plus grands, on a avancé pour faire un peu de peinture, un peu d'abstraction. Là, c'est du sablage, de la peinture colorée que l'on assemble pour faire de belles réalisations. Toujours au niveau du sous-camp Bogusereu, pour coller avec le thème Bogusereu, donc la panoplie, les activités de collage avec le perlage et autres. Là-bas, il y a le soufflage, pour faire des draps, toujours avec là-bas, le drap pour le baobab, un des symboles de notre nation, toujours pour respecter les symboles. Ils sont tentés de prendre le drapeau avec du perlage et là également. Donc, en somme, voilà les réalisations de l'atelier Bogusereu. Voilà. Donc, nous sommes là au village des citoyens modèles. Voilà les activités manuelles, toute la panoplie de perlage, soufflage et autres. Là, des poussins avec les tout petits, poussins en laine. Donc, avec les 6-7 ans toujours. Et là, en fond, nous avons aussi les noms des 3 grandes familles dans le sous-candé. Ici, ils s'appelaient les protecteurs avec comme slogan pour défendre les valeurs civiles. Là-bas, jeunesse consciente pour servir le Sénégal. Donc, au niveau de la grande famille du sous-candé, il y avait 3 sous-familles, toujours avec les 3 grandes familles, les Tofon, les Tchad. Là-bas, ce sont les tableaux perlés qui retracent les activités des éditions précédentes et de celles-ci. Là-bas, c'était à Mbou, l'année dernière. Ça, c'est cette année, surtout avec la levée des couleurs. Là-bas, c'était au départ. Voilà. C'était un tableau qui retrace une activité, la chasse, la danse, la chanson, les cases africaines. Ça, c'était un masque avec des tout petits, sur du papier, avec un peu de perlage. Là, on va les déployer pour déployer sur un salon, un bureau, qui sait. Inch'Allah. Voilà, toujours un autre tableau perlé. De petites abstractions avec le cube. Donc, les enfants, on leur a laissé libre leur imagination pour façonner, pour peindre, pour faire tout ce qu'ils ont senti. Ce qu'ils ont ici, donc un tableau pour Baye Gordi, le nouveau de notre association claire, dénommée Baye Gordi. La Baye Gordi, hein? Baye Gordi, c'est le nom. En tout cas, félicitations. Merci. De réveiller chez les enfants ces talents. Tapis au fond d'eux-mêmes. C'est vraiment très très bien. Donc.
Notre colonie de vacances, Colvac Inondation, édition 2014, ici à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis très honoré de parler au nom de mes camarades et mes propos sont des propos de remerciement, de reconnaissance et de gratitude. Durant 21 jours, sous la direction de Tonton Omar Lee et son équipe d'encadrement, nous avons passé un bon moment de vacances utiles et agréable. Nous avons visité la ville tricentenaire, la belle ville de Saint-Louis, Place Fédère, la pointe nord et sud, l'hydrobase, le bateau Boul El Magdad, le barrage de Diamant et au centre de recherche et d'essai de Bango et de Saint-Louis, où nous avons eu de belles séances d'initiation à l'informatique et aux entre autres. Nous avons fait des activités techniques manuelles, ATM, des activités physiques et sportives, APS, des activités techniques spécifiques, ATS, mais surtout, nous avons révisé la très riche culture du Sénégal lors des veillées théâtrales Kazakh et Mbapat. Chers parents, nous avons acquis un comportement citoyen grâce aux tontons et tata moniteurs qui chaque matin insistent sur le respect et l'amour des institutions et symboles de la République. Je ne saurais terminer mon discours sans avoir remercié l'honorable député Serigne Mansour Sy Diamil et tous ses partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour l'épanouissement de 600 enfants dans cette colonie de vacances. Le sourire sur le visage d'un enfant n'est plus un slogan mais une réalité. Je vous remercie de votre aimable attention. Que la fête soit belle. Voilà, merci. Très bien. Courage. Bye.
allô, 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 le théâtre Colomb se prépare. Yen kay do len ay model wa ba
Thank you.
kuma loxo bi tam ara sa petit day na wat amna amna boy batter néna victime bi dafa dam double fracture légui da koy immobiliser defal ko écharpe contre écharpe da bakku ba loxo bi dam légui da koy defal écharpe contre écharpe et ça c'est les premiers gestes de secourisme des gestes qui sont et en l'espace de 3 à 5 jours les enfants ont pu maîtriser tout cela donc voilà ce que l'équipe secouriste est en train de vous proposer pour immobiliser l'avant-bras. L'avant-bras. Maintenant, il fait l'écharpe. L'écharpe simple. Moi, je vais vous dire que donc ñi ngi def tourniquet ñu ko gën xam ci que de cochon légui defal nako écharpe simple néna da koy defal écharpe contre écharpe dafa am double fracture la première fracture ci avant bras bi la benen fracture bi ci au niveau du bras écharpe simple pour immobiliser l'avant bras. Le contre échappe pour mobiliser le bras. Bras. Et c'est du matériel improvisé, même chez nous, n'importe quel matériel adéquat peut permettre à faire cette activité-là. Et l'équipe de Bruce est sous la coupole de Tata Mariam Diouf, tonton Papis, tonton Ibrahim aussi, Papis Biram Sek. Le Louaï, ça qu'il est en 3 jours, vraiment. Il faut notre écharpe contre écharpe. Et maintenant, la victime peut être acheminée sans problème chez les structures de santé. Et ça facilite le travail du médecin. Ñu dem ci benen tableau. Dama xol ndax sama victime dafa inconstant wala inconstant. Sëñ bi. Dafa inconstant, dama xol ndax mu ngi noy. Mi ngi noy, dama xol légui circulation dérèt bi ndax normal. Voilà, kii dafa ñëw fekk benn victime. Xamul exactement lan moo ko jot day vérifier ndax victime bi mi ànd naak sagoom mu laaj ko ay question yu simple fool ba bi normal dama koy libéré les voies aériennes léegi da koy libéré les voies aériennes damay tekki caravane bi tekki ceinture bi ma tekki daal ma simbi daal bi. Damay xol ndax Cheikhou Lamine bi wala dara xale ko mu nettoyé ko. Dama koy ñëw yóbbu position latérale de sécurité. Donc mi ngi koy yóbbu position latérale de sécurité. Position bu koy permettre mu mën a xaar évacuation l'arrivée des pour organiser. Après, la meilleure chose, c'est ça pour vous dire. Voilà, les gars, alerte. Merci beaucoup. Donc, bon, moi, c'est l'aise. Victime, bien, à Khamni,
comme inconscient, va pas être ni noy, donc position bi la koy tégal en attendant à peur di ñew xalé ngeen tax xalé bu baaxa baax way vraiment li lèr na Voilà, c'est des gestes qui sauvent devant des situations qui peuvent arriver tous les jours dans la maison, dans la rue, dans la circulation. Et c'est des gestes qui sauvent. Si on les maîtrise, on peut sauver des vies. Maîtriser ces gestes, c'est retarder la... Le président en position. Retarder la mort. C'est pour engager. Engager. Êtes-vous prêts? Levez le pot pour les jeunes. Plaqué. Debout. Avancez. Tâtez-le, Khalewaï. Tâtez-le, Liwaï. Pivotez à gauche. Halte. Avancez. Halte. Pivotez à gauche. Avancez. Halte. À genoux. Rabattez. Attention, vous posez. Tâtez-le. Dans la synchronisation, la coordination, la finesse dans le geste. Et je rappelle que c'est en l'espace de moins de 5 jours que les enfants ont maîtrisé tout cela. Donc, il faut les cuillères à toi. Alors là, il s'agit de la méthode pompier. Okay. Une victime consciente ou inconsciente. Donc, il y a méthode pompier. Quel que soit le poids de la victime, avec cette méthode-là, on parvient toujours à la soupe. Thank you.